Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Blissim du mois d'avril. Je vous ai fait une vidéo Blissim la semaine dernière, je crois, sur la Blissim en édition limitée Splendiste qui est malheureusement en rupture de stock. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour la Blissim du mois d'avril avec packaging super mignon, énormément dans le thème du printemps. Donc je suis très très contente, j'avoue que j'ai regardé déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. On va pas dire grand chose, mais en tout cas, je pense que maintenant vous connaissez Blissim puisque tous les mois je fais une vidéo donc sur la box. C'est une box mensuelle que vous payez, maintenant elle a augmenté, avant c'était 13,90€, maintenant il me semble que c'est 14,90€. Pour 5 produits tous les mois que vous recevez. Je passerai très vite parce que j'ai vraiment énormément de vidéos Blissim sur ma chaîne. Quand vous ouvrez la Blissim, vous avez là, ce mois-ci, on a un livre photo offert avec le site PhotoWeb, donc on a le code derrière. Et on a toujours le petit fascicule avec la présentation de tous les produits. Comme je vous ai dit, on a 5 produits par mois. Ce mois-ci, on a quasiment que du soin et un produit de maquillage. Et donc, dans le fascicule, vous avez la liste des produits, donc avec le prix, la contenance, qu'est-ce qu'on a aussi, comment utiliser les produits, tout ça. Et ensuite, on a beaucoup de conseils, on a beaucoup de pubs aussi sur les éditions limitées qui vont arriver. Là, on a une édition limitée Sporty Beauty avec Sissi Mua, je crois. Oui, Sissi Mua. Et donc, voilà, vous avez l'édition limitée présentée avec une petite interview. Enfin, bref, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Et derrière, on a souvent des offres abonnées. Donc, avec, par exemple, là, on a 10€ offert des 39€ d'achat avec le code promo. Ça, c'est super cool. Tous les mois, on a une offre différente. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les produits qu'on a dans cette box. Et cette box s'appelle Beauty Heroes, avec le super accent anglais. Le premier produit qu'on a, c'est un rouge à lèvres hydratant de la marque Pompone. C'est naturel et vegan. On avait 3 couleurs, j'ai pas choisi, donc je pense que c'était au choix. J'ai eu la couleur bois de rose et on avait nude beige ou corail, donc on avait ces 3 couleurs là. Alors c'est un format vente de 4 grammes du coup, qui est sur le shop au prix de 26€ et au prix abonné de 22,10€, puisque lorsqu'on est abonné à la Blissim, on a des prix en fait sur tout le shop, donc toutes les marques qui vendent, on les retrouve sur leur site pour pouvoir acheter les produits s'ils nous plaisent, et on a souvent, enfin sur tous les produits, des réductions. Ce rouge à lèvres Made in France à plus de 95% naturel prend soin des lèvres avec sa formule 2 en 1, à la fois soin et maquillage. Il répare les gerçures et sublime vos lèvres avec une pigmentation lumineuse et une couvrance parfaite. Enfin, un semi-mat qui ne dessèche pas les lèvres. Une algue de Saint-Malo et de l'aloe vera hydratant, du beurre de karité bio nourrissant et de mangue réparateur. Formule vegan et clean. Ça c'est super cool et j'ai vu que le packaging était recyclable, je crois. Ça j'adore. Est-ce que je vais garder? Je sais pas parce que c'est pas le genre de rouge à lèvres que je vais utiliser. Je suis plus rouge à lèvres mat mais en pas en stick comme ça, en bah, les rouges à lèvres mat quoi, liquide. Alors ça j'étais trop contente parce que j'adore la marque Beija, donc c'est donc de la marque Beija Paris. C'est une crème corps aux huiles d'avocat bio et pépins de figue de Barbarie à l'odeur iris patchouli. Alors ça je suis pas sûre que je vais apprécier l'odeur. Oh, ah si, ça sent super bon. Je suis pas très fan de patchouli habituellement, mais là, ah ouais, non, là ça sent super bon. Donc c'est un 25ml, donc ça c'est une miniature qu'on a eu et le format vente fait 75ml au prix de 13,90€ et 11,81€ pour les abonnés. Donc ça va, je trouve ça pas très cher. Je suis désolée si la luminosité et l'angle ont changé, mais je suis tombée en rate de batterie entre temps. Je sais plus trop où je m'en suis arrêtée, mais je sais que je parlais de ce petit lait corporel. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur ce lait corporel? Porter une aventure ensoleillée et sensorielle. C'est vrai que ça sent l'été, enfin ça sent le printemps. Cette crème corps renferme une formule exclusive alliant variété et concentration inédite d'ingrédients d'origine naturelle. Des huiles d'avocat bio, de noisettes, de pépins de raisin et de pépins de figue de Barbarie, le tout enrichi en cire d'abeille et de jojoba. Alors celui-ci, je pense que je serais très très susceptible de le racheter s'il convient à ma peau, s'il est assez hydratant on va dire. J'adore l'odeur, donc il est pas super cher je trouve. 11€ pour un 75ml, ça va, c'est abordable. Donc il y a de fortes chances que je le rachète. Ensuite, on a un produit de la marque Mimika, c'est une crème visage auto-bronzante. Ça, j'en ai un peu peur ça. 97% d'origine naturelle, made in France et vegan. Ce qu'on a, c'est que c'est une miniature de 10 grammes, le format vente fait 50 grammes, donc je pense que ça suffit pour tester, hein, qui est au prix de 18,50€ et au prix abonné de 15,72€. La crème Bonne Mine permet de bronzer votre peau naturellement et sans exposition au soleil, elle s'adapte même à toutes les carnations. La formule a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et sans composants controversés. Appliquez une fois par semaine pour un effet Bonne Mine léger, 2 à 3 fois par semaine pour un effet allé plus prononcé. Ça je vais pas le garder, j'en ai trop peur, parce que je suis très très blanche et j'aurais très peur de ressortir orange carotte, donc non. C'est pas un produit pour moi. On a pour le quatrième produit et avant-dernier produit du coup, une huile de soin de la marque Moroccan Oil. Je pense que vous connaissez cette marque, c'est une marque très très connue pour les soins pour cheveux. Nous là on a une miniature de 10ml et le format vente fait 100ml, donc je pense que c'est assez pour tester parce qu'on ne doit pas en mettre beaucoup. Tout de même sur le shop au prix de 48€ et au prix abonné de 40,80€, donc quand même hein. Ouvrez votre flacon et prenez une bouffée de Summer Vibes réconfortante. Cette huile multifonction répare, hydrate, démêle et fait briller vos cheveux. Elle en promet beaucoup. Dans sa formule, des protéines fortifiantes, des acides gras régénérants,
vitamine brillante, des antioxydants protecteurs et de l'huile d'argan nourrissante et hydratante. On aime son odeur à tomber. Je suis désolée si vous entendez tousser, il y a mon père en bas. La marque me reconnaît, il est super connu donc en termes de cheveux et ensuite et en plus elle sent super bon. Et le dernier produit de la box, c'est un petit accessoire entre guillemets, c'est les cotons démaquillants de la marque Glove. Donc en fait on a deux disques démaquillants, je vais ouvrir ça. J'utilise pas de coton, j'en utilise plus depuis un bon moment maintenant et c'est vrai que je me démaquille à l'huile. Oh là là, mais la douceur. Donc ça c'est un format miniature en fait, enfin miniature. En fait on a que deux cotons et sur le format vente on en a cinq. Donc écoutez, ça suffit amplement de coton pour tester. C'est vrai que ça peut nous aider à faire la transition coton jetable et coton réutilisable, c'est super cool. C'est trop mignon, il y a marqué Glove de partout. Donc c'est sur le shop au prix de 9,95€ et au prix abonné de 8,41€, donc c'est super cool. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher que des cotons classiques, mais quand on voit la consommation et la pollution que font des cotons jetables, je préfère mettre 8€ dans des cotons comme ça. Et encore, moi j'en utilise plus du tout, mais vraiment plus du tout, même pour me démaquiller, je me démaquille à l'huile ou au baume que je rince à l'eau. Quand j'utilise ma lotion je la mets avec mes mains, donc ça suffit amplement. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ces petits cotons? Il est temps de se mettre au coton réutilisable. Ces disques démaquillants éco-responsables ont su faire leur preuve. Ils démaquillent le visage et les yeux en douceur rien qu'avec de l'eau. Alors cela, il fonctionne qu'à l'eau, c'est ce que j'étais en train de me demander. Vous pouvez aussi, je pense, les utiliser avec du démaquillant, mais juste à l'eau, ça suffit. La technologie microfibre Glove qui enlève délicatement le maquillage comme un aimant lorsqu'elle est mouillée. Ces petits cotons démaquillants sont magiques, ils enlèvent le maquillage, même waterproof par contre apparemment, très efficacement, sans parler de l'abandon des cotons jetables. Un vrai profit pour le portefeuille et la planète. L'avis d'une personne qui avait utilisé les cotons. Donc écoutez, je pense que je vais les essayer quand même si j'ai l'habitude d'utiliser mes huiles ou mes baumes. Je vais leur donner leur chance et je vous en parlerai dans mes produits terminés, même si je pense que ça sera dans un petit moment parce que des cotons comme ça vous pouvez les utiliser mais super super longtemps. J'ai hâte de les tester. Voilà, ma petite box est vide. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien faire un petit avis. Ce mois-ci je suis mitigée parce que sur 5 produits je vais en garder que 3, donc c'est bien, c'est plus de la moitié, on est d'accord. On a des box super bien et des box beaucoup moins bien. Au lieu de partager et de faire 50-50, c'est vrai que c'est soit tout trop bien, soit tout bof bof. Ce mois-ci je suis mitigée. J'avoue que le mois dernier j'étais super contente. Ce mois-ci un petit peu moins, mais bon, on verra sur les autres mois, on peut pas être tout le temps conquise évidemment. En tout cas, je vous laisserai le lien du site Blessim en barre d'information et j'ai aussi un lien de parrainage qui vous donne 10€ sur le shop, je crois. En tout cas, je vous laisserai tout en barre d'information comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.